Comment allez-vous? Ça va bien? Mon nom c'est Marc Anderson Laguerre. Vous êtes sur la chaîne YouTube Focus Plus Marc Iersen. Soyez la bienvenue. Dans l'espace biblique aujourd'hui, nous allons parler de 5 types de péchés qui sont terribles dans la Bible. Vous voulez qu'on ait? On a allé. En attendant, vous-même qui pouvez vous abonner à ChaSA, qui c'est Focus Plus, Marc Iersen, nous invitons à faire ça. Quand vous là, appuyez sur le petit bouton et puis appuyez sur le petit cloche. Dans ce sens, vous avez toutes les notifications. Mettez un like, commentez, by à vous. Vous capable de dire tout ça vous voulez. Nous quitter tout le monde libre et libre. Je dis à nous parler de 7 types de péchés qui sont terribles dans la Bible. Premier péché qui gagne, c'est ça qui est lié à la sodomie. La sodomie, c'est un péché qui rend mon Dieu vraiment en colère. Il rend mon Dieu terriblement en colère. Et nous, il y a relaté dans la Bible, dans la Genèse, que tu as une ville qui était les Sodome et Gomorre. Et ville ça, qualité péché que tu as fait dans ça, tu rend même bon Dieu qui était dans ce ciel-là, lui voyait Angélie personnellement pour aller visiter lui ça, parce que lui voulait anéantir lui ça, parce que lui était rendu vraiment, vraiment en colère. Eh bien, moun sa ou t'a pratiqué ça, ou les sodomiens qui vini dans ville, mot ça qui vini même de ville ça, qui c'est Sodome et Gomorre. Moun yo t'a pratiqué un acte sexuel qui c'est yon garçon avec yon garçon, yon fille avec yon fille. Donc ça te rend bon Dieu vraiment en colère, c'est ça qui fait te même voyé Angélie dans ville là, nèg te vle passer même sous anjou, un bagay qui très très terrible pour qualité impudicité que l'homme gagne. Eh bien, nous connaissons l'histoire, comment ça t'est arrivé. Bon Dieu, t'es anéanti, vu ça, entier, avec du fait. Et même Madame Lo, qui t'est désobéi, il t'est arrivé, touché tout, il t'est tourné un gros sel. Eh bien, la sodomie, bon Dieu, t'es créé nous pour te faire un garçon avec une fille avec un garçon. Un garçon avec un garçon pour unir, ça c'est une grosse impudicité liée dans les yeux bon Dieu. Il est toujours bon pour nous-mêmes. Nous connaissons ça, c'est un péché terrible ça est lorsque vous êtes deux garçons ensemble et puis vous unis. Bon Dieu condamne ça et la Bible condamne ça. Vous êtes capable de joindre plus de détails sur ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10. Vous capable de tout ça, la Bible a dit. Ça, c'est pour capable enrichir de ça, nous sommes dit là. Deuxième type de péché qui est, c'est pratique lascive. Pratiquer lascive, c'est un type de sensualité utilisé de façon dégoûtante, de façon désagréable. Un monde a séduit monde non façon qui vraiment désagréable. Pratiquer lascive, c'est transmettre une séduction, transmettre une sensualité qui pas plaît à un pile monde qui vient rendre un pile monde péché à cause de pratique ça. Lascive, un pile monde qui est dans l'église, un peu le monde qui dit marié, un peu le monde qui tend des paroles là, chaque jour il a fait pratique ça sans qu'il pas connaît, quelques fois il pas connaît, c'est la fait ça là où renion l'autre péché à cause de façon ou habillé, à cause de façon que ou même ou vend corps. Ça, c'est une pratique lascive et bon Dieu n'a pas aimé ça. Ça rend bon Dieu toujours en colère avec les hommes dans ce sens-là. Vous êtes capable de voir ça dans le monde de ça aujourd'hui? Eh bien, les filles, en pile, et ça revient dans le monde-là.
li vraiment exagéré dans son ça et ou ka wè fi ou sou kap revisyon ou kapab wè yo sou an pil page c'est ça qui rend an pil moun suivre an pil nan yo c'est nan sens pou y a vann ko yo nan type de sensualité qui rend moun nan vin rend on lot li péché ou même qui marié ou a pratiquer la surtout dans sens que ou même ou a utiliser rad qui ou même ou ta doit utiliser en dans caille c'est rad ça ou aller avec lui l'église ou aller avec lui dans toute la rue ou aller avec lui dans l'hôpital tout côté passé ou utiliser rad ça dans sens pour capable rendre pour séduire on l'autre dans sens pour séduire yon frère dans sens pour séduire et yon l'autre monde qui pas même rien pour donc ça c'est une pratique qui vraiment désagréable et Bible li pas d'accord et bon Dieu tout li pas d'accord dans sens que ou vann yon sensualité ou vann corps ou vann yon bagaille pour rendre on l'autre li tomber dans péché. Troisième péché qui pi terrible et ça c'est un bagaille qui terrible vraiment. C'est ça qui est l'adultère. L'adultère, c'est là où gagne un mariage et puis monsieur a pas gagne envie encore, il pas sorti il gagne envie pour madame lui ou bien madame là il pas gagne envie pour monsieur encore et ou bien yo deux yo pas envie l'autre encore. Ça veut dire que yo al chercher plaisir on l'autre côté. Laisse arriver, li vin cause yon divorce, li vin cause en pile l'autre bagay, et ça a jamais bien sorti, ça a tombé dans jalousie, monsieur a tombé fia gen ou l'autre monde, et puis li fait action sur l'autre monde nan soit tuye, en pile bagay, fia même nan fait jalousie, al goumen avec l'autre, jouer l'autre, tout ça. C'est une cause en pile problème dans foyer jusqu'à ce que foyer vienne diviser directement ça vienne rendre foyer li pas exister encore donc li toujours bon ou même qui non foyer ou est que ou gain difficulté ou pas senti foyer bien marcher. Eh bien, il y a ça qui est les communications. Rele madame ou même qui frustré ou dit pas aimer ça, rele madame parler avec lui. Si c'est façon lié dans calan, li pas bien géré quoi, li pas séduire dans sens, li pas rend nous bien ou li pas séduire jota vle, parle avec lui parce que nous deux à qui fait, nous deux à qui marié. Nous faisons pour nous vivre ensemble jusqu'à ce que nous mourions. Donc, il est toujours bon pour nous gagner ça qui est la communication entre nous. C'est avec communication, c'est avec dialogue que foyer ça, il peut avancer. Donc, ou pas qu'à quitter madame, qui fait pour vous, qui l'a pour vous, quoi appartient à vous-même. Parce que la Bible a dit, remet madame tant que porte tout. Tant que bon Jésus te remet l'église donc madame ou doit remet mari ou tant que Jésus te remet l'église donc il est toujours bon ou même ou capable qu'embé mariage ou pas quitter qu'un vieux bagage qu'un vieux pensée entrer dans tête ou pour quitter relation pour aller chercher plaisir de l'autre côté pour aller chercher satisfait de genou yon l'autre côté. Donc ça c'est un péché que bon Dieu li pas d'accord que la Bible là vraiment que Bible lui-même li pas d'accord avec type de péché ça que bon Dieu li condamné. Quatrième péché qui est terrible, c'est ça qui est lié la fornication. Fornication qui s'allie, c'est un monde qui aime avec un monde, lui rentrer en relation sexuelle avec lui avant mariage.
ça c'est fornication, mais ou pas besoin de joindre dans Bible écrit noir sur blanc mot ça qui est les fornication. Fornication c'est dans sens pour répondre à des icônes ou poser une action qui pas fait plaisir à bon Dieu. Eh bien, lorsque vous posez une action qui pas fait plaisir à bon Dieu, il y a fornication. Avant que vous mariez, ou pas de gagner une relation sexuelle avec ménage ou pas de gagner une relation sexuelle. Donc, c'est après le mariage qu'il y a une relation sexuelle. Bon Dieu, l'éloi que garçon en difficulté, l'éloi que Ève lui seul, il pas senti le bien, eh bien, lui, ça le fait, lui aller, lui fait, lui créer Ève pour que Adam ait une possibilité pour sentir le bien. Eh bien, nous connaissons la tension qui gagne entre deux corsaires, entre une fille avec un garçon. Donc, nous connaissons pression et nous connaissons toute activité qui gagne. L'obtention des ménages, voilà, faire bien, l'obtention des façon de parler avec vous, ça nous sentir bien, approcher lui, rad la mettre, attirer ou même qui ménage lui, on sentir ou non obligation pour arriver. Pour aboutir à un bagaille, aboutir à des paroles, aboutir à tout ça. Mais l'important pour connaître ça, que bon Dieu n'est pas d'accord que vous faites ça avant le mariage, c'est toujours bon. Vous connaissez qui type de monde vous êtes, et bien préparez le mariage pour faire rapide, ça rend que. Ça prend que ou même ou pas arriver tomber dans guet après ça ou pas arriver tomber dans péché ça qui c'est un péché qui est terrible. Cinquième type de péché qui gagne qui plus terrible, c'est ça qui relie la luxure. La luxure dans le terme sexuel, la luxure vient du mot latin luxulia qui signifie excès. Un excès immodéré, un excès incontrôlable pour la pratique sexuelle. Un monde qui gagne luxueux, c'est un monde qui a fait pratique luxueuse, c'est un monde qui pas jamais satisfait à un rien de façon sexuelle. Monde ça chercher, il toujours à chercher yon bagay ke li même pa jam capable abouti, li pa jam capable sentir satisfait. S'il gen yon fi, li vle gen deux. S'il gen deux, li vle gen trois. S'il gen trois, li vle gen quatre pour la faire relation sexuelle avec yo. C'est ça qui est la luxure, ou content de y a parlé de créer, ou content de y a parlé de en pile l'autre pratique sexuelle. Ouais, moun sa yo, yo pa santi yo satisfè. Si yo gen yon ti menaj, si yo gen yon madame, moun sa pa santi yo satisfè. Fòk li ta jwenn de madame pou la fè sa avèk li. Fòk ta jwenn 3, fòk ta jwenn 4, fòk ta jwenn 5. Donc sa, se natu moun lan aktyèlman, kote ki an pil moun yo pa satisfè avèk sa yo gen. Yo gen yon penchan imodere pour des pratiques sexuelles. Donc moun sa yo c'est un bon moun qui pa gagne ça qui rele lumière bon Dieu nan yo qui pa gagne cet esprit nan yo ou même qui a regardé vidéo ça nan mande jodi a pou capable penser à cinq types de péché sa yo parce que si ou a pratiquer yo si ou a faire yo dans la vie yo connaît que bon Dieu il parle là dans la vie. Connaît qui ça bon Dieu est pour nous. Bon Dieu, c'est lui-même qui berge nous, c'est lui-même qui là pour nous malgré ouais monde là a parlé de jour en jour, mais si c'est pas bon Dieu, nous-mêmes nous pas capable vivre là encore. Il est toujours bon pour capable vivre selon
ça bon Dieu veut. Nous remercions pour même qui t'a suivi nous. Nous invitons pour capable partager vidéo avec nos amis ou et capable aider ou capable aider un autre monde. Partagez la vidéo et puis ciao pour une prochaine vidéo.